Bonsoir, bonsoir et bonjour et bonjour. Oui, vous êtes en compagnie du seul et unique tonton Jordinou. Pourquoi je recommence Spyro? Non. C'est surtout, qu'est-ce que je fous encore avec Spyro? Pour ceux qui ont vu tous les épisodes de ces trois jeux sur Spyro Remastered, comme j'aime bien le dire. Bref, déjà j'ai perdu toutes mes données parce que je les ai supprimées. Parce que je n'avais plus de place. Et j'ai cru que j'allais plus jouer. Mais pas du tout. On est en 2022. Je m'y remets à rejouer Spyro. Parce que j'ai envie de connaître la fin en fait. De terminer le jeu à 100%. Bon, là c'est 120%. Je crois. Je suis plus trop sûr. Mais on s'en fout, on va dire 100%. Je veux le terminer jusqu'au bout. Parce que j'ai repris. Non, j'ai repris. N'importe quoi. Je prends du plaisir à terminer maintenant des jeux. Certains jeux, je précise. À 100%. Assassin's Creed, ça m'a fait grave plaisir. Rim, 80%, mais ça m'a quand même fait grave plaisir. Après, il y aura d'autres jeux dans l'avenir que j'espère pouvoir terminer à 100%. Si je ne peux pas, tant pis, mais c'est quand même un kiff de récupérer certains trophées, certains succès et autres. Du coup, je vais tout recommencer. Les trois, ça sera des courtes vidéos. Je sais pas combien il y aura d'épisodes, de parties plutôt. On va plutôt comme dire ça, plutôt comme ça, pardon. Je sais pas combien il y en aura de vidéos sur celui-là, celui-là et puis celui-là. Je ne sais pas du tout, les amis. L'avenir nous le dira, mais je vais juste vous faire montrer que chaque monde que je rentre, chaque monde, je ressors 100%. Voilà, c'est tout ce que je vais montrer sur cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé de regarder, ne regardez pas. Mais au moins, je montre que je termine le jeu à 100% et j'en suis content. Je vais juste parler pour le début de cet épisode. Et pour les prochaines, je ne parlerai pas jusqu'à la fin du jeu à 100%. Au moins c'est dit, c'est fait et c'est clair. Je voulais vous remercier pour tout. Ceux qui me regardent, pour tous ceux qui me suivent. Merci infiniment. Je vais commencer de ce pas. Et normalement, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, pour ceux qui me suivent maintenant, à l'heure actuelle, il y aura une vidéo que j'expliquerai pourquoi. Pourquoi je me suis mis sur YouTube. Pour quel est... Mes objectifs, pardon. Pour ceux qui me regardent à l'heure d'aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Et pour ceux qui regardent cette vidéo des semaines à venir, ou des mois, des années, ça veut dire que cette vidéo sera sortie, je l'espère. En tout cas, pour pouvoir le réaliser. Voilà, c'était un petit message de paix de le mec. Merci infiniment. Je vais commencer à jouer. Et on se retrouvera à la toute fin de ce tout premier Spyro. C'est qu'on aura presque... Non, presque. Qu'est-ce que je raconte? Tout récupéré. Merci infiniment.
C'était un sacré saut, Spyro. T'as beaucoup appris depuis tes débuts de planeur. Oui, mais t'aurais pu trouver un endroit plus facile d'accès pour te faire piéger.
Nous y sommes enfin, les amis. Ça y est, let's go! Gnasty n'est qu'un mauvais souvenir! Alors, qu'a-t-on là-dedans? Je crois que c'est la salle du trésor de Gnasty. Mais la porte ne s'ouvrira que si tu as tout trouvé dans le royaume des dragons. Reviens quand tu auras atteint 100%. Essayez, j'y suis enfin sur... 100%. Oh. Alors, avant qu'on y rentre, voir ce qui se passe dedans, parce que je ne connais pas, je me suis pas fait spoil. On va dire ça comme ça. Le jeu, je l'ai, on va dire, terminé en gros, toute une après-midi. J'ai enregistré 5 vidéos de 1 heure, je crois. 5 à 6, je sais plus trop. J'en suis hyper heureux, hyper content. J'espère que ce petit montage vous aura plu. Je n'ai pas pu tout mettre. J'aurais bien... Normalement, c'était prévu que je mette tout en accéléré.
pour que vous voyez qu'est-ce que je fais en fait. Mais je me suis dit non, ça va être trop long, c'est nul, c'est chiant. Après, je dois mettre une musique de fond d'un OST de Spyro et tout. Bon, ça m'aurait pris énormément de temps et une vidéo trop longue surtout. Donc je l'ai raccourci en 5 vidéos de 1 heure, on va dire 6 parce que je m'en rappelle plus trop. Je l'ai fait en je sais pas combien de minutes. J'espère en moins de 30 minutes la vidéo durera, je ne sais pas. En tout cas, on y est, butin de Gnasting. J'en suis content et heureux. Let's go. Je sais pas ce que ça sera. 12 000. En vrai, j'ai un peu galéré parce que je faisais tout vite. Et parfois, je regardais hyper mal. Mais il y en a certains endroits que j'étais obligé de regarder sur Internet parce que je savais pas comment faire ou aller surtout. Mais la plupart du temps, j'ai tout fait moi-même. Il n'y a que 2-3 mondes que j'ai regardé sur Internet, c'est tout. Rien de plus. Ok, tu veux que j'aille comment? C'est cool, hein? Mais tu veux que j'aille comment? Y'a pas un sushi dans le pâté, là? Ah, mais je peux voler! Ah, ok, très intéressant. On va se faire un petit tour de vol juste après. Ça va être chiant, je le sens, ça. Oh. Oh. Mais pourquoi il veut plus? Mais t'es con. Ah, d'accord, il peut pas voler plus haut. Ok, j'ai compris. Là, on s'en fout si mon chien boit, je préfère me préciser. Là, c'est juste pour un kiff, pour un délire, on va dire ça comme ça. Ah, il a une clé. Ouais, je suis d'accord. Tu peux voler façon. Et en fait, tu peux voler juste un peu plus loin, je crois. Ou c'est juste une impression. Oh, ça aussi, comment je me suis grave amélioré par contre. Bon, là, lui il va être chiant. Allez, boum, dans ta gueule. Non, c'est pas toi. Donc, comment je fais, je. Ah, y'a une porte là, j'avais pas vu. Boum boum et boum. Je me suis loupé, mais c'est pas grave. Une clé. Donc. Ok, en fait, on peut survoler comme ça. Putain, c'est trop bien. Ok. Je regarde ce qu'il fait comme tour. Wesh. Oh, t'as eu que de la chance par contre. Ça va être loin. Ça par contre, ça va être long. Ok. What's up, me? Dans ta face. Ok, je reviens, j'admire. Encore plus haut, toujours. Pourquoi pas, je veux dire. Aïe. Mais arrête de faire ça, putain. Non.
Pourquoi se compliquer la vie? Tu attends juste qu'il vient. Ok. Ok. Ah, il y en a encore un autre là-bas. Comment je pourrais faire? À part si j'ai une fée... Je peux monter un peu, c'est tout. Il est où? Oh, il va être chiant. Désolé. J'ai envie de vous le laisser pour que vous l'entendiez. En vrai, je vois le plus. Fils de chouin, viens ici, viens, 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 viens. Allez, allez, allez. Ça met l'ambiance. Merci, mon chien. Merci. Par contre, le but, là, je dois aller où, en fait? Ça, il y a une porte. Ah, il y en a un, là. On regarde où il va. Ok. Ok. Ah, là, il y en a un. C'est bon. J'ai failli tomber dans mes lol, quoi. Normalement, il m'en a manqué un. Oui, il est là-bas. Boum! Serait-ce le dernier? Ah non, il y en avait encore un autre en haut, je crois. Attendez, attendez. On va visiter. Je peux gueuler, je m'en fous. Je peux pas y aller, je peux pas y aller. On va se caler 2 secondes, Tolonki. Donc, je viens d'ici. Je viens d'ici. Puis je reviens ici. Non, là je descends. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vole pour aller jusqu'à là-bas. Donc, j'atterris ici. Ah, voilà. Ah, ça me sert juste pour voler plus haut. Mais non. Trop intéressant. T'es mignon, mais qu'est-ce que... Oh, mais on est là-dedans. Oh, on est là où ça... Il y a eu la cinématique du début. Je crois. Oh 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 oh, 2000. Niveau terminé à 100%. Imagination, confidence. Ok. Ok, mais pourquoi il y a un truc là? Ah non, j'ai cru qu'il y en avait un. Je l'ai halluciné. Bref, on se casse. Et nous avons terminé le jeu à 120%. Spyro le dragon, tu as vaincu Gnastic Nork. Trouver les œufs de dragon, sauver tous les dragons et retrouver tous les trésors du royaume des dragons. Comment te sens-tu? Je suis en feu, Bob.
Et je suis content pour le royaume des dragons, bien sûr. Je n'aurais pas voulu passer le reste de mes jours à tomber sur Gnastig Nork et ses sbires farfelus. C'est quoi un sbire? Oh, oublions ça. Tu sais ce qu'on dit. Pour qu'il y ait un beau combat, il faut un bel adversaire. Et je pense que Gnasty, aussi méchant soit-il, était un bel adversaire. Oh oh, c'est reparti! Mince, j'allais vous oublier, pardon. Alors, on est revenu ici, mais normalement, si je fais ça, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Total du jeu, 120%. Temps, 4h41 minutes et 30 secondes. C'est énorme. J'ai 30... je sais pas c'était quoi d'ailleurs les trophées de dragon là. J'en sais rien. 12 œufs et 80 dragons. Waouh. J'en suis hyper heureux. En vrai, je trouve ça extraordinaire de terminer un jeu à 100%. D'accord, là il y a une porte, je sais même pas à quoi ça sert. On peut pas y ouvrir. Tant pis. J'ai fini le jeu, mes amis, le premier du nom. On va se faire... Quitter le jeu. On va se faire... Maintenant, Ripto Rage est là. Ça ne rigolera plus. Je le ferai quand j'en aurai envie. D'abord, je dois faire le montage pour moi, mais pour vous, vous l'avez. Alors, actuellement, je vous parle. Ça m'a pris énormément de place. Je n'ai pas pu continuer sur Pokémon. Malheureusement, à cause de ça. Mais... c'est ma priorité, Spyro. Pokémon, on verra plus tard, on s'en cogne. Pour ceux qui regardent Spyro, là, à l'heure actuelle. Merci infiniment de m'avoir suivi, de regarder cette vidéo longue, même s'il y a eu beaucoup de montage. Il n'y a pas eu trop de gameplay, mais comme je l'ai dit et redit, j'ai fait comme Rim. Et dans les autres futurs prochains jeux, je fais du montage pour vous faire montrer que je joue le jeu à 100% et deux fois de suite ou trois fois de suite, ça dépendra du jeu, c'est tout, pour le moment. On se retrouve pour le deuxième Spyro, j'ai tellement hâte les amis, et hâte de continuer Spyro à 100%, du coup plus à 100%, faut mettre un plus à la fin, trop énorme.